Et bien salut tout le monde, c'est Jessica et aujourd'hui on se retrouve pour la suite aventure sur Final Fantasy VII Remake Intergrade. À ce qu'il paraît ils ont mis les textures sur la porte de l'hôtel où est-ce que Cloud pouvait aller, vous vous souvenez dans la fête Remake. Bon apparemment on a pas mal d'objectifs sur la carte, qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde sort de sa carapace à la tortue joyeuse. Tiens, tiens, mademoiselle, seriez-vous venue m'apporter des prospectus? Prospectus? Vous savez bien, la chasse aux 6 prospectus de la Tortue Joyeuse, notre grand concours de campagne publicitaire. Vous n'êtes pas au courant? Non. Dans ce cas, je vais vous expliquer. Pour promouvoir mon bar, la Tortue Joyeuse, j'organise un jeu consistant à récolter 6 prospectus dans divers endroits du bidonville du secteur 7. Les personnes qui me rapporteront tous les prospectus gagneront un magnifique cadeau. Mais avec les incidents des réacteurs Mako, il y a beaucoup de gens ici qui voient désormais le Wutai d'un très mauvais œil. Certains ont caché mes prospectus. Du coup, je n'ai pas eu encore un seul gagnant. Pas cool, ça. Ah, et moi qui me suis donné tant de mal. Cependant, c'est une chance inespérée pour vous. Que diriez-vous de retrouver les 6 prospectus du bidonville du secteur 7 et de devenir ainsi la toute première personne à remporter le cadeau? Regardez, c'est ce genre de prospectus. Il est beau, n'est-ce pas? Allez, je compte sur vous pour fouiller le quartier dans ses moindres recoins. C'est comme si c'était fait. Mais au fait, mademoiselle, auriez-vous des jetons de Condor par hasard? Pour tout vous dire, je me suis lancé dans la collection de ces jetons. Si vous voulez bien m'en donner, je vous les échange contre divers articles. Ouh là là, par contre, ouh le son, la musique est trop forte. Réglage, son, musique. C'est à 7. Oh putain, toujours trop fort! J'arrive, Tortue Joyeuse! J'ai entendu ton appel! Bon, déjà, on doit aller où? La carte, s'il te plaît. Y'a quoi là? Y'a quoi là-bas? Simulateur de port. Je suppose qu'on devrait tout prendre. Ok, donc c'est à gauche. Allez, on va aller récupérer le simulateur. Collaboratrice potentielle en vue. Collecte des données analysables en cours. Petite stature, mais bonne musculature. Mouvement extrêmement agile. C'est un sujet adéquat. T'es qui, toi? Tu comptes marmonner longtemps comme ça? Je m'appelle Chadley. Si vous avez le temps, accepteriez-vous de collaborer à mes recherches? Moi, c'est Yuffie. Enchantée. Et donc, c'est quoi tes recherches? Je recueille et analyse les données de personnes qui affrontent des espères virtuels au moyen de ce simulateur de combat portable. Ah, ça m'a l'air plutôt rigolo. Je suis partante. Vous êtes partante? Vraiment? Rien de presse. Dites-moi quand vous serez prête à combattre. Son nom est peut-être revenu maintenant. Ça attendra. Oh, ce matériel là, comment on y va? Donne-moi des matériaux! Give me de matériaux, please. Putain, du coup. Ah, y'a. Yeah. Chier. Bon, est-ce qu'il est de retour l'autre? Je suis de retour. Te voilà, Sonon. Yuffie t'attendait avec impatience. T'exagères! Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais juste que tu ressemblais pas à ton père. Enchanté, Yuffie. Je m'appelle Sonon Kusakabe. Ton père m'a lui-même enseigné les arts martiaux. Commence pas avec ça, j'ai vraiment pas envie de parler de lui. Parlons plutôt de toi. Il paraît que tu t'es bien habitué.
Que tu t'amuses dans le quartier pour adultes? N'essaie pas de le cacher. Tu as bu de l'alcool, non? J'ai pas envie d'un partenaire qui se comporte comme un vieux pilier de comptoir. Attends, dis-moi. T'es allé à la Tortue Joyeuse? Si c'est pour l'opération de dépravation de Midgar, alors je suis prête à t'aider sans problème. Eh ouais, je suis bientôt une adulte, qu'est-ce que tu crois? T'as pas perdu de temps pour te méprendre sur mon compte. Une telle opération pourrait être amusante, mais je la connais pas. Quoi qu'il en soit, je suis avec toi. Je te suis, chef. Chef? Qui, moi? J'ai beau être beaucoup plus âgé que toi, t'as plus d'expérience que moi en tant qu'agent. Ah bon? C'est pas mal, chef. Ça me plaît bien. D'habitude, les gens me traitent toujours comme une gamine. On va dérober la matéria ultime et fêter ça à la Tortue Joyeuse. Ah, oui, oui. Oh la pigeon? Ça dit que le paquet est prêt. Il faut aller le chercher à la zone des entrepôts. Ok. Yuffie, Sonon, vous pouvez m'accompagner? Avec plaisir. On va bien observer. C'est toujours bon d'étudier l'ennemi. On va traverser des endroits dangereux, alors préparez-vous bien. Je vous attends dehors. Vous aurez qu'à me rejoindre quand vous serez prêts. Ça marche. Ah, enfin un allié. Allez, je m'en fous, moi on y va direct. Allez, Yuffie, par contre tu peux retirer cette tenue minable, ça serait bien quand même. J'ai rien contre les mogs, mais faut arrêter d'abuser. Elle est où? Allez, passez où? Allez, là. Vous êtes prêts à y aller? Alors on y va. Vous éloignez pas trop de moi. Alors, où est-ce qu'on va? Chercher des identifiants. Deux cartes de résidents de Midgar pour vous. ZJ aussi disait qu'il allait nous récupérer des identifiants. Ça, c'est encore autre chose. Pour pouvoir vivre dans cette ville, il faut posséder plusieurs sortes d'identifiants. C'est la cité de la Shinra, gérée par la Shinra, pour la Shinra. Bande de tyrans! Du calme, chef. Il faut parfois cacher ses griffes pour survivre. Mia! Oula! Alors, Yuffie, qu'est-ce que tu penses du bidonville? Il y a beaucoup trop de monde. C'est stressant. Et puis, l'odeur est vraiment particulière. C'est vrai que l'odeur est spéciale. Mais je m'y suis vite habitué. On s'habitue rapidement à la foule aussi. On finit par se sentir comme une grande famille. Hein? C'est bizarre de penser ça. On pourrait presque croire que t'aimes Midgar. Tu veux pas détruire la ville? Ce qui est sûr, c'est que notre ennemi, c'est la compagnie Shinra. C'est peut-être le seul point sur lequel on se rejoint avec les W. Qu'est-ce que j'ai vu à la télé, alors? Ils ont dit que les réacteurs avaient explosé. C'était pas des accidents, ça. C'est bien Avalanche qui a... Chut. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Eux, là, c'est des gens de la faction. De la faction? On s'entendait pas sur les objectifs, alors ils ont dû partir d'Avalanche. Je vous attendais. Vous avez mis la pagaille. Ce pauvre réacteur numéro 5. Mais... Et Cloud? Tiens. On a été séparés. Sérieusement? C'est Cloud. Il a dû s'en tirer. Ah ouais, évidemment! C'est un vrai dur à cuire. Je suis sûr qu'il est retombé sur ses pattes. Ça lui fera un exploit de plus à ajouter à son palmarès, c'est tout. Ouais, t'as raison. Mais quand je pense à cet enfoiré de président, il ose nous traiter de complices du Wutai. Il se fout vraiment de notre gueule! Il nous prend pour quoi? Avalanche n'est la seule de... Barrette! Ah, pardon. Y a un truc qui m'inquiète un peu. C'est Don Corneo de Wall Market. Il a envoyé ses sbires ici à ta recherche. Hein? Corneo, hein? Ha! Ça me fait une belle jambe. Je te rappelle qu'on se bat contre la Shinra. Ce sont pas des petits malfrats qui nous feront peur. Tifa, on a encore un combat de longue haleine devant nous. Tu le sais. Alors faut se modérer. Repose-toi pour l'instant. Mmh.
savez quoi? Je vais quand même aller me renseigner un peu. Fais pas de folie, Tifa. C'est eux qui ont fait péter les réacteurs. Cool! On va leur dire bonjour? Non, vaut mieux pas. C'est trop risqué. La Shinra doit les avoir dans son collimateur. Gardons nos distances. Ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est moi ou Barrett avait plus de poils sur le torse? Je me rappelle même pas s'il avait des poils sur le torse dans la version PS4 de cette remake. En fait, les gens de la faction, ils se battent contre la Shinra par tous les moyens. Ils font des opérations armées. C'est bien ça! Et vous faites pas ça, vous? Notre objectif à nous, c'est avant tout de libérer Midgard du joug de la compagnie Shinra. Mais il y a des limites à ne pas franchir. On se doit aussi de protéger la vie des citoyens. On est contre la destruction des infrastructures. Le Wuta y a trop souffert. Alors, on a des comptes à régler. Bien sûr, ça je le sais. Quand on y pense, en fait, c'est étonnant que vous vous soyez alliés à nous. Nous avons vu cette collaboration comme une passerelle vers un meilleur avenir. C'est ce qui nous a décidés. Et une alliance entre nous et les membres d'une faction serait trop risquée. C'est pas ça que vous vous êtes dit? Vous voulez pas qu'on parle de tout ça plus tard? C'est un sujet qui demande du temps et du calme. Ouais, on verra ça plus tard. Y a rien qui presse. Dites, qu'est-ce qu'elle fait cette matéria ultime? Et pourquoi vous voulez la voler à la Shinra? Comment ça, pourquoi? Avec des matérias, on est plus fort! Si c'est la matéria ultime, j'imagine qu'elle doit être méga puissante! Forcément. Oh, j'ai trop hâte! Pour être plus précis, en nous infiltrant dans le QG de la Shinra et en dérobant le fleuron de leurs recherches, non seulement on leur inflige une défaite des plus humiliantes, mais on leur fait également bien comprendre qu'il ne faut pas sous-estimer le Wutai. C'est bien ça, chef? C'est ça! Ouais, Yuffie, ouais. Ah mon dieu, c'est qui c'est? Regardez ça! Tiens, tiens, salut à toi, ma jolie. Tu sais que tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Oh. Tout ce que t'as à faire, c'est de rester belle. On a un boulot parfait pour un canon comme toi. Hé, hey, toi! C'est pas Pauline, Mignoret? C'est pas une histoire pour les gamines. Allez, on se bouche les oreilles, maintenant. Hein? Tu vivras dans un palace à Wall Market. Tout le monde sera au petit soin avec toi. Vous cherchez une concubine pour Cornéo, c'est ça? Et du côté qui? Un associé? Oh, mais c'est qu'elle s'y connaît. Je suis l'un de ses meilleurs assistants. Alors, dans ton intérêt, restons courtois. Allez, viens. Non, mais ça va pas. Lâche-moi tout de suite. On va bien s'occuper. Faudrait pas me sous-estimer. Et d'abord, je suis pas une gamine, moi. Et en plus, moi aussi je suis jolie, qu'est-ce que tu crois? Ha! T'aurais mieux fait de pas te mêler de ça, ma jolie demoiselle. Si c'est ce que tu veux, on va te traiter en adulte. Fini de rigoler! Oh là là! Alors, vous ne pouvez pas contrôler, oui, ça on s'en doutait, hein. Comment est-ce qu'on fait encore? Appuyez sur L2 pour essayer. Oui. Ah. Wouh. Il se passe quoi là? Ouais. Allez, mange du ninjutsu, mon cochon. Attendez, ils font toujours la même attaque? Ils font que bondir, comme ça? Ah, voilà, c'est bien. Easy! Sympa, petite musique qui passait, d'ailleurs. Alors, t'as réussi à te relever. Ferme ta gueule! Tu vas regretter de nous avoir défiés! Chef, hein? Tu vas pas le croire!
J'ai trouvé une méga-bombe. Tu vas halluciner. T'es sérieux? Ouais, comme ça, et comme ça. Oh, trop bien roulé, c'est du délire. Oubliez ce que j'ai dit, mesdemoiselles. Désolé, on a trouvé une bien meilleure candidate. On y va. Ciao. Ok. C'était qui, ces sales types? Des hommes de main de Don Corneo. Ils flattent les jeunes filles et leur font de fausses promesses pour les attirer dans son manoir à Wall Market. J'ai vu le bâtiment en question. Il en dit long sur le mauvais goût du propriétaire. Tiens donc, on dirait que tu connais bien le quartier, hein? J'étais en mission de reconnaissance. C'est l'endroit qu'on m'a indiqué. On doit recevoir les identifiants ici. Qui va les apporter? Je sais pas. Avant, on avait quelqu'un qui était doué pour la falsification, mais elle est partie avec la faction. Du coup, on a dû faire appel à quelqu'un d'autre cette fois. Oh, hé, Nayo, c'est quoi son problème à lui? Intoxication à la Mako. C'est peut-être un soldat raté. Ou au contraire, un de ceux qui ont été trop longtemps exploités. Dans les deux cas, c'est une victime de la Shinra. Encore la Shinra? Bande de salopards! Si vous voulez vous plaindre à la Shinra, vous aurez peut-être besoin de ça. Vos identifiants pour aller en haut. Il les faut pour passer le scan du train, alors vous en séparez surtout pas. Merci beaucoup. Attendez! Goûtez-moi ça, c'est trop bon. Les gens d'ici ont pas de mâchoire. Bon, on devrait rentrer et attendre ZJ. Quand on aura les autres identifiants, on pourra enfin commencer l'opération! Minute, chef. Hein? Avec l'explosion des réacteurs, la ville est une ruche en panique. Nayo et les autres suivent ça de près. Il faut d'abord qu'ils nous en disent plus sur la sécurité. C'est pas drôle. Mais est-ce qu'à un moment donné, je peux frapper sur des monstres, là? Réunion, Genova. Oh. Attendez, je peux casser les murs? Techniquement, je viens de lui couper la tête, mais c'est pas grave. Attendez, j'ai vu qu'on avait eu un truc, un accessoire, un filtré, réduit le coût, j'étais... Ouh, l'attaque synchronisée, intéressant. Toi là, t'as quoi comme matériel sur toi? Expertise des objets, auto-soin, provocation... j'aime bien. J'aimerais bien aller bastonner, il faut que je gagne des levels, me dites pas qu'on va rester niveau 25 pendant toute l'aventure là quand même, ça me ferait bien chier. Bon, oh, allez. Oh hein? Qu'est-ce qui se passe? Changement de programme. Je vous attends au pied du pilier. Dépêchez-vous, ZJ. Changement de programme? De quel pilier il parle? Du grand pilier qui soutient la ville au-dessus de nous. Je vous y emmène. Pourquoi il veut qu'on se dépêche? Ça ne me dit rien qui vaille. C'est exactement ce qu'il nous faut! On est allé trop doucement jusque-là! T'es plutôt du genre impatiente, hein? Ouais! Tu as affaire à un rare spécimen du Wu-Tang! C'est probablement une mutante. Oh! C'est trop la classe, ça! On y est presque. Ah! C'est ZJ! Bien vu. Oh. Attends. Oh! Hé, hey, toi, là! T'es sourd ou quoi? Hé! Hey Oh, un mug! Attends! Suivons-les. Vous pouvez vous en charger? Il faut que je me dépêche d'aller prévenir les autres. Ok, par là. Chef, on devrait s'assurer qu'on a tout ce qu'il nous faut avant de nous aventurer trop loin. Je me demande ce que CJ a fait pour s'attirer des ennuis. Oh, il a probablement pris des risques pour nous. Je me sens responsable, du coup. Dépêchons-nous, chef.
Ok. Ah là là, où est-ce qu'ils vont nous emmener ? Hey. Oh, une Materia en face ! Désolé, priorité à Materia, rien à foutre des potes. Ah non ! Oh ! Bâton ferré. Ouais, mais attendez, est-ce que lui aussi doit avoir... Il a des compétences, il a son arme. Je suis un ennemi avec rage déferlante. Ah ! Achevé ! Oh ! Merde. On te tient cette fois ! Parle ! Dis-nous ce que tu sais ! Si je vous le dis, vous allez m'éliminer, non ? Arrête ! Faut le choper ! Quoi ? Tu crois que Zichi est du Wutai lui aussi ? C'est pas le moment de se poser des questions. La situation est plus grave que je le pensais. Allons-y. Ah, ça a déjà l'air plus intéressant, là. Ah, magnifique, il y a des mobs partout en bas. Une sorte d'usine ? Je suis passée par une zone qui ressemblait à ça en arrivant. Et bien sûr, je parie que ça va être rempli de créatures. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Comment ça ? Sono ! J'arrive. Regardez ça ! Merci ! Ça me fait trop rire, ça. Allez, bouffe! Je crois que je suis vraiment trop forte en fait, non? On va dire ça comme ça. Oh merde! Quoi? Là-bas! Félicitations, vous avez arrêté le. Le coulissoir! Tu veux bien décaler? Allez hop! Ah. Allez hop. Coup de pied. Je peux en emprunter un qui monte ou je peux rester en bas. On va rester en bas. Un obstacle à écarter. Où ça? Mais... Ah, il m'a soigné, nice. Vas-y, soigne-moi, gros. Arrête de bien volter comme le chocobo. Attendez, comment est-ce qu'on faisait encore pour mettre des compétences sur certaines touches? Réglage de combat. Phi. Ah, d'accord. L1. Ouais. Super potion. Je vais mettre. Extra soin ici. Donc carré, triangle, X, ok. Ouais, mais du coup, j'ai pas mis le soin de base donc. Comment ça j'avais extra soin en fait? C'est lui qui a extra soin? Non, il a rien. J'ai pas attendu, j'ai pas rêvé, j'ai vu extra soin. Ouais? Bon. Alors, petit baston dans le coin? Non. Attention, nice. Allez, v'là! Désolé! Oh, merde! On devrait prévenir les autres patrouilles! Les voilà! Qui êtes-vous? Un adepte du shuriken! Donne-moi
Allez, mange! Il est mort? Déjà? T'es impressionnante. Ouais, je suis impressionnante. Génial. Si on n'arrête pas ce machin, on n'arrivera jamais à avancer, à mon avis. Alors, il est où l'interrupteur? Je t'aurais bien dit quelque part, mais tu t'apprécierais pas. Maintenant! Oui, je sais! Ah, vite! Yes! Il y a peut-être des trucs planqués. Il y a peut-être des trucs planqués. Alors faut chercher, bébé. Vas-y, faut chercher, bébé. Ah, qu'est-ce que je disais, trucs planqués? Ah, des monstres pas beaux! Oh, la tornade! Alors... Attendez, je crois que j'ai tilté. Ouais, j'ai tilté, d'accord! En fait, le ninjutsu de feu, il faut l'appliquer sur Yuffie d'abord! Et après seulement, tu peux lancer des sorts de feu. Pas mal, j'aime bien. Il est où l'autre? Non, lui. Compétence. Ouais. Ah! Wouah, il a pris sa maman, le mob! Yay! Oh, materia! Gimme gimme de ma terre et à prière. Vous m'avez pris pour Aeris ou quoi? Non mais oh. Personnage le plus inutile à FF. Oui, j'ai jamais aimé Aeris. Ça t'a voulu dire sacrilège. Oui. Oulala, oup, baston de boss là. Baston de boss à 10 km. Alors soignons-nous un petit peu. Voilà. Vous me ferez pas avaler qu'il n'y a pas un boss ici. La zone est beaucoup trop grande. Quoi? Il n'y a pas de boss? Comment ça, il n'y a pas de boss? Honteux! Remboursé! Rendez-moi mes 20 euros! Ça sert à quoi de mettre une zone aussi grande si au final il n'y a personne dedans? Allez, on appuie sur le bouton. Oui. Waouh. Vite, on casse tout. Le scénario s'est pas fait attraper. Elle est sur ce terrain. T'inquiète pas pour elle. En fait, c'est des gens plutôt normaux. Je sais pas si tu sais, mais il y a quelques années, je me suis battue contre des membres d'Avalanche au Wutai. Du coup, je leur faisais pas trop confiance. Ouais. Je me souviens de cette chose. Apparemment, Avalanche a bien changé depuis tout ça. Allons-y. Vous commencez vraiment à me saouler. Oh là là, avec les gamines! Allez, on passe par-dessus. Non, si. Wow, c'est quoi cette horreur?
Oh, comment il fait mal! Ah mon dieu, des renforts. Ah, pourquoi je fais ça? Oh, t'es craqué du cul! Ah, il y a gain de niveau, effectivement. T'as pas un soin? Non, t'as rien. Ok. Ah non, mais me bouffe pas au moment où je me soigne, putain! Vas-y gros, occupe-le! Pour ce temps-là, je vais me mettre en ninjutsu de feu. Vas-y, occupe-le gros! C'est déjà mieux. Honnêtement, c'est déjà mieux. Ah oui, c'était comme ça qu'on faisait. Par contre, je commence à tomber à court de mana, donc t'auras juste une super potion, Sonon. J'avais oublié à quel point ça rendait pas de vie! Bon, il va encore nous gaver l'autre! Non, mais s'il vous plaît, arrêtez de me filer des armes alors que j'ai même pas. J'ai même pas encore fait le truc de ninjutsu élémentaire, quoi! Et je suis sûr que, bien entendu, elles sont. Putain! 59, gros! Double les gains de PC de matériel inséré. Allez hop. Oh, on peut passer en longeant ces barres. Ok. Encore? Bien reçu. On vous rejoint dès que possible. La patrouille 3 a le suspect près du site de maintenance du pilier principal. Ils veulent qu'on les rejoigne. Près du site de maintenance? Comment il a réussi à aller si loin? Je sais pas. Allons-y. On a qu'à les suivre. Yuffie, attends. Bouge pas. Yay! Bannissement. Discrétion, je crois que c'est dans le fion. Ça te perdra un jour. Genre. Revenons à nos moutons. Comment on va faire pour trouver ce jeu? Ma petite idée, ben on va le suivre tout simplement. Hein. Va... Il peut pas juste hurler son nom en mode on est là, gros. Non, je vis pas dans la vraie vie. Non, on m'a toujours dit que ça suffisait dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on va s'arrêter ici. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la Houi attitude. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous connaissez l'Eryx, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je fais plein de pouces partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Surtout, ciao, bye, goûtez-vous, et que l'amour du pédé sur vous. Peace.